Hey, salut à nos fans de MTGQ. Aujourd'hui, on continue dans Dominaria, une autre boîte à ouvrir. Dans mon cas, je continue à vouloir rassembler le set. Quelques grosses cartes sont manquantes, mais sinon, une seule boîte a quand même rempli. J'ai eu une boîte 7 mythique, donc je peux dire que ça commençait bien le set au complet. On n'est pas notre première boîte de Dominaria à ouvrir, donc les communes, on va les laisser tomber. On va aller voir chercher Karn, Lyra, etc. Tellement qu'on commence les boosters par l'autre côté. Un petit truc. On va aller plus vite pour que ça fasse des vidéos trop longues à regarder. Que je vois bien, je vois pas de... Ok, semblait aussi. Pas de rare. Là. Ça fait 2 semaines là, que Dominaria est en vente, puis on sait déjà un petit peu quelles cartes là, on va avoir en plusieurs exemplaires là, pour aller faire les decks standards. Dans mon cas, rouge un peu, Goblin, Chain Wheeler, Lyra aussi, pas Evra, Lyra. Je vais les appeler, les cartes, ils vont sortir, donc on va les appeler. Karn, évidemment, Karn. Mon collègue chez MTGQ, une boîte, une coupe de boue, une boîte et demie peut-être. 2 boîtes et demie, je veux dire. 3 Karn. On peut dire chanceux peut-être. Ouais, ça commence déjà à être vu dans les decks, là, blanc-vert. Ouh. On créera pas beaucoup trop fort. J'aimerais bien ça voir un Karn, moi aussi. C'est pas juste. Ok. On a un en blanc aussi, là. Une saga en blanc qui commence à être... qui met un token, 2 tokens, puis qui bouge toutes les... On va peut-être l'avoir, toutes les... Ouais. Il y a quelques cartes de Dominaria qui commencent à se retrouver dans les decks. C'est bien parce que c'est cet automne, l'automne 2018, on perd 4 sets de cartes dans le standard. Ça, je vais la jouer dans un deck pour le fun. Peut-être pas en compétition, mais à la maison, certains, juste pour le voir arriver, là, 4, 5, 6, 4 flames.
Parce qu'un tiers, et deux paquets. On va couper la vidéo, on va faire une pause, parce que j'ai une visite qui arrive. La magie du montage. On était rendu ici. On était là. Et comme si on n'était jamais... Comme si on n'avait jamais arrêté de filmer. Vive l'informatique. J'ai hâte de voir le jour où je vais ouvrir deux paquets pareils. Je veux dire, l'ouverture du paquet pareil. Pas celle-là. You, mon corn. Je veux mon corn. Let's go. Quelqu'un est. Voyons voir. Plus de chance. Plus d'armoutière. Encore lui. Lui, souvent, lui, dans la première boîte que j'ai fait. Une fois foil. Ouais, c'est régulier. Ah ben. Ah ben. D'ailleurs, lui aussi, on ne l'a pas vu encore, ni chez mon collègue, ni chez moi. C'est Sherry Plainwalker. Tiens, fallait en parler pour le voir. Toujours pas de corn. Voyons, la misère ouvrir ça.
On s'excuse. Je regarde à travers la caméra pour ouvrir les paquets. C'est pas la meilleure chose. J'ai joué avec Two Head Giant dans mon premier deck de pré-release qui n'a pas été filmé. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas été filmé. Il n'y a pas de corne, on va être obligé d'ouvrir une autre boîte. Aujourd'hui, ça me prenait un corne. Dernier. Est-ce que c'est dans lui? Là-dedans. On se voit bientôt. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Passez une bonne journée.